Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Rétroac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo où j'aménage ma gaming room. A tout de suite.
Ça y est, mes jeux sont enfin rangés, je vais vous montrer ça de plus près. Je vais commencer par le bas. Donc là où c'est vide, j'ai prévu de mettre mes guides de jeux vidéo. Je les ai pas encore mis. Là, vous avez les jeux Xbox. Donc la Xbox One, la 360 et la Xbox première du nom. Juste au-dessus, j'ai mis mes jeux GameCube. Là, j'ai mis mes jeux Saturn et mes Master System. En haut, pour l'instant, j'ai mis la boîte Mega Drive. C'est pas celle que j'ai trouvée en vide-grenier, c'est celle que j'avais déjà avant. Au milieu, en commençant par le bas, il y a les jeux PS4. Bon, c'est encore pas mal vide. En dessus, vous avez les jeux PS3. Juste au-dessus, j'ai mis une partie des jeux PSP, mais je pense pas que ça va rester comme ça. Après, j'ai les jeux PS2. Juste au-dessus, j'ai mes jeux Super Nintendo en boîte. La Nintendo 64, bon j'en ai qu'un pour l'instant. Là j'ai mes jeux Game Boy en boîte. Et juste au-dessus, c'est tous mes jeux PS1. Ceux-là sont pas triés parce que c'est des boîtes vides ou faut encore que je regarde si les CD sont en bon état. Et juste à droite, on va commencer par le bas aussi. Là j'ai mes jeux Wii, 3DS. DS. Là, c'est mes jeux NES. Donc, j'ai qu'un seul jeu en boîte. Tout reste en loose. Je pense pas que je vais les laisser comme ça à cause de l'humidité. Je vais les ranger et les mettre à l'abri de l'humidité. Au-dessus, j'ai mes jeux Mega Drive. Et là, mes deux boîtes NES et Super Nintendo. D'ici là, je pense que je vais faire des modifications. Je pense pas les laisser comme ça. Peut-être modifier 2-3 petites choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous répertoriez vos jeux. Est-ce que vous utilisez l'UDXO ou un autre logiciel? Apparemment, l'UDXO est pas mal, mais il n'est pas trop tenu à jour. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant et à voir pour moi comment je vais faire aussi par la suite. Est-ce que vous utilisez Excel aussi? Donc, voilà, vous voyez toute ma collection pour l'instant. Il n'y a pas les jeux en loose, Super Nintendo, etc. Ça, je les mettrai pas là-dessus. J'espère que ma vidéo d'aménagement de ma gaming room vous a plu. J'ai pas encore fini la construction de ma gaming room. Il me reste encore à faire les lumières, tout ce qui est électricité et le câble Ethernet pour avoir l'internet. Je vais pas vous le faire en vidéo parce que je pense pas que ça vous intéresse. Je vous ferai le tour complet une fois que tout sera fini. Ça sera pas pour tout de suite. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Retroax. Ciao, ciao!